début sur ma chaîne, je voulais vous présenter un produit de la marque Nightcore. D'habitude, ce sont des lampes et là, c'est une pochette. C'est la Daily Poche Nightcore NDP10. Alors, il existe 4 modèles différents. Celui-ci, c'est le NPD10. Donc, je voulais vraiment tester parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Je vous la comparerai tout à l'heure à une autre pochette pour vous donner un peu un ordre d'idée au niveau des dimensions. On fait le tour rapidement de cette pochette. Déjà à l'avant ici, le système MOL, le nouveau système MOL, on va dire. J'avais pas encore eu l'occasion de voir ça de près. Alors c'est pas mal, en tout cas c'est un aspect un peu plus classe que les passants MOL traditionnels. Maintenant c'est un espèce de caoutchouc assez dur qui à mon avis pourrait éventuellement se déchirer si on venait à accrocher un élément et qu'on restait accroché quelque part. À mon avis ça pourrait risquer de se déchirer un peu plus facilement que le système MOL traditionnel. À l'arrière ici justement, plein de petits passants MOL qui vont permettre, grâce à ces sangles, donc c'est des sangles avec un système ici, je vais vous la faire basculer, voilà, avec simplement une bande velcro. Ça va me permettre, si je le souhaite, de l'additionner à un sac à dos par exemple, ou alors simplement de le fixer à une ceinture si j'ai pas envie d'utiliser la fameuse sangle qui est fournie avec. Alors ça c'est important parce que souvent dans les pochettes sur d'autres marques, la sangle n'est pas fournie, et là on a une sangle qui est fournie avec. Alors vous voyez, avec des petits mousquetons ici qui tournent à 360 degrés, c'est rien d'extraordinaire, c'est simplement une petite sangle avec un moyen de réglage. C'est pas forcément, il n'y a pas un renfort au niveau du confort, etc. C'est du plus simple, mais ça fonctionne parfaitement. Ici, comme vous voyez, quelque chose d'assez grand pour l'attraper assez facilement, un petit peu molletonné, c'est franchement pas mal. Ici à l'avant, comme vous le voyez, une petite bande velcro si on a besoin d'y placer un patch par exemple. Et là, on va voir un scooter qui passe, ça fait du bruit. Ça y est, il est passé. Ici, ça c'est assez astucieux, je trouve, parce que c'est assez facile de l'attraper hyper facilement, d'y glisser un doigt dedans et de l'ouvrir. Alors je vous montre sur le côté un petit peu les fermetures éclair, elles sont vraiment bien faites. Honnêtement, c'est vraiment au niveau des coutures, etc. Je trouve que c'est vraiment hyper, hyper bien fini. Alors la première pochette, on va l'ouvrir tout de suite. On y découvre à l'intérieur, voilà, un petit clip, un petit anneau. Ici, ces petits passants élastiques qui vont nous permettre d'y placer différents éléments. Et là, une petite pochette pour y placer ce qu'on souhaite. Là, vous voyez, on va très bien pouvoir intégrer, par exemple, je sais pas, une lampe, un couteau, hein. Hop, dans son EDC, avoir quelque chose d'assez bien rangé. Vous voyez qu'il y a assez de place pour y placer quand même pas mal de choses. Ce qui est intéressant dans ces pochettes également, c'est que ça reste toujours, la forme reste identique, c'est-à-dire qu'elle soit pleine ou vide, on va pas avoir quelque chose qui va devenir ultra mou. Et ça, je trouve ça assez bien. La deuxième pochette ici. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est entre les deux pochettes, cette fameuse partie ici, elle est vraiment molletonnée. On sent qu'il y a vraiment, je sais pas, un espèce de mousse, une mousse assez dure de 5 mm. Ça veut dire que si on le place dans un sac, si on a des objets un petit peu fragile, on va pouvoir éventuellement le mettre à l'intérieur. Je vous ai pas parlé du matériau, c'est du Cordura 1000. Donc bah voilà, c'est très costaud, il n'y a rien à dire. Je vous dis, les fermetures éclair, il n'y a pas de souci. On verra évidemment à l'usage, mais je pense que c'est vraiment, vraiment bien fait partout, hein. Les coutures, etc. Ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Ici, encore une pochette. Là pareil, bande élastique ici et là. Et le fond ici, comme vous pouvez le voir, c'est en velcro. Donc ça va permettre d'y additionner. Il existe des pochettes type administratives qu'on va pouvoir coller au fond. Alors peut-être pas de cette marque, mais d'autres marques. On va pouvoir y intégrer des stylos, etc. Tout ce qu'on souhaite. Ce que moi j'aime bien, le fait qu'il y ait ça à l'arrière, c'est que ça va me permettre, moi je pense l'utiliser avec la sangle, ça va me permettre tout simplement d'avoir des éléments dont je peux avoir besoin directement, placer à l'arrière ici. Hein, je vais les placer ici et ça va me permettre d'avoir un port qui est assez discret, puisque j'aurai le sac contre moi, et de pouvoir utiliser assez rapidement ces éléments, à condition de ne pas les enfoncer complètement, d'utiliser le clip. Voilà, donc pas mal du tout. Je vous la compare à une pochette Maxpedition, juste pour vous montrer une différence de taille. Alors celle-ci, je ne sais plus exactement le terme, FNR1 ou un truc comme ça, pochette Medic Pouch ou un truc comme ça. C'est juste pour vous montrer la différence de taille. Celle-ci, je fais un tour rapide, ici des passants molles à l'avant,
également à l'arrière, forcément sur les côtés. Là encore une fois, vous voyez, il n'y a pas les deux systèmes qui ici sont fournis avec. C'est-à-dire que celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser tout de suite bah, soit en normal, soit avec ça et l'additionner à un sac. Ce qui n'est pas le cas chez Max Expedition. Souvent, on est obligé d'acheter les éléments à part. Et l'addition, du coup, elle monte un petit peu plus. Là, pareil, des anneaux qui sont franchement beaucoup plus costauds que là. Mais honnêtement, pour ce qu'on va faire avec, je pense que ça suffira largement. Là, on est sur des fermetures Y cacasse qui sont un peu plus balèzes. Ici, à l'arrière, on va pouvoir glisser encore un objet, le resserrer si on le souhaite, le velcro. Et ici, la grosse différence, c'est que là, on va avoir une pochette qui va pouvoir s'ouvrir et qui va rester ouverte comme ceci, avec ce système de sangle qu'on va pouvoir resserrer. Donc, ça permet de pas perdre son matos. Il y a un peu plus d'éléments on va pouvoir ranger un peu plus de choses. Hein. Ici, il y a une pochette qui se ferme avec, encore une fois, une fermeture éclair. Là, des passants un peu plus larges, beaucoup plus larges ici. Hein. À l'arrière ici, pareil, filet mèche. Donc assez intéressant aussi hein. Et là encore une petite astuce là, donc c'est pas mal. Moi je l'ai additionné à mon sac Falcon 2, donc mais c'était juste pour vous montrer un petit peu la différence. Alors je sais plus le prix de celle là en tout cas je peux vous donner le tarif de celle ci puisqu'elle est aux alentours des 40 €, et je trouve ça franchement pas très cher vu la qualité du matos. Ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Moi elle me servira. Moi j'ai le push pack 5.11 qui est un sac un peu plus volumineux, un mono bretelle, mais voilà, si je sors et que j'ai pas besoin d'emmener tout mon matériel, si voilà une petite sortie au resto, un truc comme ça, bah, je vais juste mettre mes quelques éléments dedans et ça va me suffire d'avoir mon petit sac comme ça. Ou éventuellement, bah, voilà, si on part en rando, si on veut ranger un petit peu de matos, on va le ranger là, on aura ça dans son sac et on aura juste ça à retirer de son sac. C'est toujours intéressant et c'est beaucoup plus facile de retrouver ses affaires et de passer par pied. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Christian Jones. Bye bye.